tous et à toutes, aujourd'hui je vous reviens avec une vidéo, j'allais dire vlog mais pas du tout, une vidéo haul spécial bébé pour celles que ça intéresse. J'attends une petite fille, je suis à 6 mois de grossesse pour celles qui ne le savent pas, et du coup j'ai enfin commencé à acheter quelques petits trucs pour notre bébé, puisqu'avec mon mari jusqu'à ce week-end on n'avait rien acheté. On attendait en fait, je sais pas ce qu'on attendait, on attendait d'avoir un déclic. Et du coup, il y a une de mes abonnées avec qui je papote sur Facebook qui m'a dit: mais alors, tu profites pas des soldes pour acheter les premiers body, pyjamas, etc. Et je me suis dit: mais oui, c'est vrai, il faut absolument que je commence à en profiter des soldes pour acheter. C'est vrai que nous, on attendait un peu plus le 7e, 8e mois, mais il y aura peut-être plus de soldes et ça vaudra peut-être plus le coup. Donc du coup avec mon mari on s'est mis un petit coup de boost et tout grâce à Sarah et on a été acheter quelques petits trucs, donc je vous montre ça tout de suite. Je suis passée tout d'abord à Carrefour, puisqu'à Carrefour ils font quand même pas mal de petites soldes pour les bébés. Je vous montre tout ce qui est vêtements parce qu'on n'a pas encore trouvé beaucoup d'accessoires ou de choses comme ça, donc pour l'instant voilà, j'ai que des vêtements, peut-être je vous ferai une vidéo si nécessaire. J'ai acheté principalement des vêtements à moins 50%, j'ai profité vraiment un maximum des soldes. Et comme c'est pour une petite fille, il y a pas mal de choses roses parce que je me suis rendu compte que dans les magasins, garçon c'est bleu, fille c'est rose. Alors je sais pas ce que vous en pensez, moi ça me dérange pas le rose, mais je voudrais pas que ma fille elle soit tout le temps en rose. Je trouve ça dommage, il y a du violine, du prune, enfin il y a plein de couleurs, du orangé. Alors j'ai acheté quand même un peu de gris, un peu d'orange parce que voilà, je veux pas qu'elle soit tout le temps tout en rose. Ça me dérange pas le rose, mais voilà. C'est dommage qu'il n'y ait pas plus de choix niveau couleur et qu'il ne fasse pas des trucs justement bleu mélangé avec du rose, un peu plus de mélange de couleurs. Je vous montre ça tout de suite, donc à Carrefour, j'ai vraiment eu des bonnes promotions. Je m'en suis pas sortie pour trop cher, à peu près une quarantaine d'euros pour pas mal de choses, je vous montre tout ça. Donc gros coup de cœur pour ce premier petit... Alors ce sont des petits bodys, effectivement ce ne sont pas les bodys les plus pratiques. Ils sont censés être pour les bébés de 3 mois. C'est les seules choses qu'on a achetées un peu plus grands. Sinon après on a acheté que des 0 à 1 mois. Mais voilà, ils m'ont fait craquer. Ils sont pas super pratiques, mais voilà, c'est trop chou. Et voilà, je me dis une fois de temps en temps, un petit truc comme ça, hyper chou, hyper pratique, ça hyper pas pratique. Voilà, ça dérange pas. Donc c'est des fameux petits body roses avec écrit super héros. Comme mon mari est fan de... Il aime bien tout ce qui est un peu film Marvel avec les super-héros, les Batman, les trucs. Je me suis dit que ça lui ferait plaisir. Et du coup, quand il a vu, il a rigolé, il m'a dit: ah oui, c'est mignon. Il était avec moi au magasin et voilà, il a trouvé ça mignon, donc on l'a pris. Et super baby! Donc voilà, ça c'était le premier petit achat coup de cœur. C'était à moins 50% aussi, donc ils nous ont coûté 5 euros au lieu de 11,90 €. Deuxième petit ensemble, trop chou. Alors, un petit bas avec son petit haut. Je vous montre le haut en premier. Voilà, ça s'appelle mon petit lapin. Et du coup, il était à 10 euros au lieu de 20 euros. C'est un petit haut assez moumouté, assez chaud, qui est réversible. Et c'est ça que j'ai trouvé sympa, en fait. Vous pouvez mettre des deux côtés. Et l'autre côté, du coup, c'est un peu plus blanc avec des petits motifs de lapin. Voilà, toujours dans les tons roses, puisque je vous ai dit qu'il n'y avait pas grand choix, surtout soldé, il n'y a pas grand choix. Et le bas qui va avec, donc il y en a deux petits bas, et celui-ci était vraiment pas cher. Il était à 5 euros au lieu de 10 euros, il y a deux petits bas. Après, on a pris beaucoup de grenouillères, de pyjamas. Celui-ci, I'm cute, qui coûtait 2,60 €, je crois, ou 70, voilà. Il est trop mignon, pareil, un petit rose basique à 2,70 €, je trouvais ça vraiment raisonnable. Un deuxième aussi, mon bouté en couleur un peu orangé, qui était à celui-ci, alors au lieu de 8 € à 4 € à peu près, un petit peu moins de 4 €. Et il y a écrit dessus: Let's take breakfast. Laisse-moi prendre un petit déjeuner. Et donc il est trop mignon, pareil, c'est une petite grenouillère. Trop chou. Ça fait bizarre du coup d'acheter des vêtements pour son bébé. Ce qui est dur, c'est de ne pas savoir trop la taille qu'elle aura à la naissance. Mais bon, on a pris surtout des 0 mois, puisque à la maternité, ils m'ont dit que j'aurais
pas un gros gros bébé. Donc je pense que les 0 mois, ça lui ira très bien. Donc pareil, à 2,60 € à peu près, ce petit pyjama dans les petits tons orange. Voilà, je voulais pas que du rose, comme je vous ai dit. J'ai essayé de prendre d'autres couleurs pour varier. Et celui-ci, Rabbit, le petit lapin. Et pareil, il devait être autour de, oui, 2,60 €. Pas cher du tout, hein. Quand même, ça reste raisonnable. Comme je vous ai dit, à Carrefour, on en a eu en tout pour 40 € au lieu de 100 €, ce qui est quand même une bonne affaire. Et un lot de trois petits pyjamas encore. Cette fois dans les tons gris. Et il coûtait au lieu de 17,90 €. Donc c'était moitié prix. Donc ça nous est revenu à peu près à 9 € le lot de trois body pyjamas, un peu plus pyjama. Voilà pour Carrefour. Mon mari a été faire un petit tour sans moi, petit coquin, pendant sa pause déjeuner, et il a acheté pour bébé à Oh Baby, Baby, qui est comme Okaidi, en fait, c'est la même marque, je vous montre le logo. Voilà. Et du coup, il a acheté donc ce petit bonnet pour la naissance, un tout petit bonnet trop chou, tout simple et trop mignon, avec les petits gants qui vont avec pour éviter que le bébé se griffe. Donc le voici, ça c'est parfait parce qu'il en fallait pour la valise bébé. Donc ça ira sûrement dans la valise bébé. Et pareil pour la valise bébé, c'est parfait. Mon mari, il est top. Il a acheté un petit gilet tout simple, tout mignon. Pareil, tout en un mois là cette fois-ci. Il a trouvé en un mois. Et il l'a eu à moins 60 %. Donc au lieu de 15 €, je pense qu'il l'a payé 6 € à peu près. En revanche, le petit bonnet, j'ai oublié de vous dire, le petit bonnet, il n'a pas eu de solde. Il était à 8 €. Et celui-là, voilà. À peu près à 6-7 €, ce qui vaut le coup quand même. C'est un joli petit gilet. Comme mon bébé va naître au mois d'avril, ça va. Pas besoin de prendre des trucs hyper, hyper gros. Et aujourd'hui, nous sommes passés à Kiabi. On a trouvé quelques petites merveilles à Kiabi. Donc voilà, je voulais vous les montrer aussi pour celles qui vont être des futures mamans et qui sont intéressées aussi comme moi, qui n'osent pas encore, comme moi, investir. On a vraiment pris les choses les plus basiques. Il nous reste quand même pas mal de choses à trouver. C'est tout ce qui est chaussettes. Puis les accessoires, bien sûr, de puériculture, tout ce qui est brosse, enfin, on a vraiment rien. Hein. Faut qu'on s'y mette un peu. Donc là, on a acheté quand même une grenouillère qui est pour les 6 mois à 24 mois. On en a quelques-unes en fait déjà pour le 0 à 3 mois. Donc là, c'est à partir de 6 mois. Elle est super jolie en fait. Voilà, avec le petit nœud, la petite touche. Et du coup, elle se replie. Sinon, elle se déplie quand le bébé sera plus grand. Donc, c'est une grande grenouillère. On a hésité à la prendre, mais elle était à moins 50. Donc, ça revenait à 11 € au lieu de 22. Et bah, on s'est dit que voilà, ça sera un investissement. Ça peut toujours servir. Et on n'en avait pas des jolies comme ça. On en a pour la naissance des plutôt blanches. Ou... Ouais, celle-ci, elle servira un petit peu après. Après, on a pris que des trucs pour bébé là, pour la naissance. Pareil, des trucs pour la maternité parce qu'il va falloir qu'on commence à y penser. Je vous montre ça. Déjà, on a pris des petits chaussons qui m'ont. Parce qu'on n'en avait pas du tout, pareil. Donc, des petits chaussons pour bébé avec écrit I love daddy, I love mommy. Donc, qui a été à 3 €. Voilà. À 3 €. Avec les petits chaussons, justement, on a acheté des petits bodys. Donc ceux-là, ils sont hyper pratiques puisqu'ils s'ouvrent sur le côté. Et c'était pas trop trop cher, 8 € les deux bodys. Avec des étoiles et un avec un petit visage tout mignon. Donc ils sont assez pratiques et 8 €. Donc on a pris des 1 mois. Je ne sais pas s'il faudra qu'on retourne en acheter pour des 0 mois. Honnêtement, on a hésité entre des fois 1 mois, 0 mois. On verra. Là aussi, on a acheté des 1 mois, des roses plus pâles à 8 € aussi. Et ce qui est pas mal, c'est que c'est du coton bio. Donc pourquoi pas, je trouve ça cool, ça évitera les irritations. Et il y a écrit Little Love, petit amour. Ils sont trop mignons. Et avec des petits cœurs, voilà. Peut-être qu'on ira racheter exactement les mêmes, mais en 0 mois, on verra. Mais les 0 mois, ils nous paraissaient tout petits, en fait. C'était presque pour les prématurés, donc c'est pour ça qu'on n'a pas osé les prendre. Et ensuite en solde chez Kiabi. Donc ça c'était pas du tout soldé chez Kiabi. Tout comme ce dernier produit qui n'était pas soldé, mais ça restait quand même raisonnable. Des petits bavoirs, voilà, il y en a 7.
7 bavoirs, il valait 5 euros les 7 bavoirs, c'était tout petit, mais bon, voilà. C'est assez basique et je pense que ça sera très bien pour le début. Ensuite, un petit ensemble qui nous a coûté pas cher du tout, il était à moins 50%, c'est-à-dire au lieu de 7 euros, il était à 3,50 euros. Et le voici, donc il y a un petit haut comme ceci, c'est la taille 1 mois aussi, qu'une petite princesse indienne. Et le petit pantalon, comme ceci. Voilà, donc j'ai trouvé ça trop mignon, à moins 50%, ça faisait vraiment pas cher, 3,50 €. Donc voilà, j'ai craqué, j'ai dit, allez, je prends, c'est mignon, ça va aller dans sa petite garde-robe, pourquoi pas, pour les débuts. Je vais pas trop acheter après pour les... Après 3 mois, en fait, je vais pas trop acheter parce qu'il y aura les soldes au mois de juin, et mon bébé aura à peu près 2 mois et demi. Donc je me dis qu'au mois de juin, j'achèterai pour tout ce qui est 3 mois, 6 mois. En tout cas... Au moins pour 6 mois, etc. Mais là, je vais pas acheter en fait jusqu'aux 3 mois. Je vais acheter surtout des 0-1 mois et après je verrai. Peut-être que les gens m'offriront des 3 mois, des 6 mois. Parce que souvent les gens offrent des cadeaux ou donnent des vêtements, etc. Et le dernier ensemble que j'ai acheté, c'est celui-ci. Un petit ensemble trop mignon. Il y a écrit dessus, petite pluie d'amour. Il y a le petit chapeau avec des petites cornes là, des petites oreilles. Et le petit bas qui est très moumouté, il est pas mal du tout. Et il est vraiment moumouté, il est assez épais, donc c'est plutôt cool. Et celui-ci coûtait un petit peu plus cher, il était à 5 euros au lieu de 10. Mais du coup, il y a 3 pièces. Donc ça, c'était vraiment pas mal. Les promos chez Kiabi sont vraiment bien. Il y a quand même vraiment beaucoup, beaucoup de choix chez Kiabi. Après, dans les petites tailles, il n'y a pas beaucoup de choix. Mais bon, on a trouvé quand même quelques trucs. Mais la petite taille, c'est vrai que c'est plus difficile, tout ce qui est naissance et tout, bah. Donc voilà, un magasin que j'adore aussi, c'est Orchestra, mais j'ai pas encore osé trop acheter, je vais voir. Donc peut-être la prochaine fois. Donc j'espère que ce haul vous a plu. N'hésitez pas à me dire, vous, vos magasins favoris pour les vêtements bébés, là où vous préférez aller acheter pour votre fille ou pour votre fille, ça m'intéresse, comme ça j'irai faire un tour moi aussi. Et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tous mes petits premiers achats. Si vous avez des conseils pour moi, les choses indispensables à acheter absolument pour la maternité ou pour les débuts et des choses qu'on ne pense pas forcément. Surtout quand c'est notre premier enfant, on ne pense pas à grand-chose, j'ai envie de vous dire. Voilà, n'hésitez pas à me donner vos conseils, je les attends avec impatience. Et encore merci à Sarah qui m'a mis un petit coup de pression, ça m'a fait plaisir. Parce que du coup, bah voilà, j'ai commencé à acheter pas mal de petites choses. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très vite. Ciao!